Resident Evil 4. Let's continue that beautiful game. Allô? Damn! Tu m'as fait peur, le jeu. Tu m'as fait peur, le jeu. On va la charger. Sauvegarde 31 à 11h47. Liane retrouve enfin Ashley qui se sent coupable pour ce qu'elle a fait. Avec quelques mots de réconfort, la jeune fille serait saisie. Et tous les deux partent. Pas vrai, Ashley? On part. On va en direction de la salle de bal. Bon, déjà, il y a une boîte à serrure carrée. C'est pas tout de suite que je vais pouvoir ouvrir ça. Et de 1. Le même truc, mais aussi d'une stèle, c'est. Il y a un relief sur le mur. Ont infesté une partie du château et rongent les livres inestimables, mais ces hérétiques s'en fichent complètement. Quelqu'un nous débarrasse de cette vermine avant qu'il ne soit trop tard. Exterminer tous les rats. Grand hall, bibliothèque. Spinel x3. Est-ce qu'on a accès aux portes? Oui. Elle pleure là, j'entends. Je veux-tu avoir un lance-roquette titre là? Masse. Merde,
Oh, ma tête. Laisse ça. Mais ça s'est bien fait. Nice. Not bad, not bad. Boom. Damn. A trap. Il doit être en dessous du pont, hein. Si je le remonte, le pont d'après moi. Allez.
moi, t'es optimiste? Moi, je peux remonter là. Yes! Un diamant jaune. Ok, grenade lourde. What? T'as vu toi? Une grenade à main plus grande et dont l'explosion fait encore plus de dégâts. What? Pourquoi vous me donnez ça? Va acheter. Bonjour Michel. Red. Une statue de serpent. Ouais, il me faut la tête. Salle à dîner. Ah, une salle à manger. Manger ici? Non, merci. Il dit la même chose que moi. Ordre. Oh. Femme dentelle avec la petite serviette, une glace sur coupe de couteau. Quelques balles de shotgun. 9 et 10, 14, 4. Et j'ai remonté là, je suis content. Ça va bien, ça va bien. Les grenades en plus, ok. Nice. Je trouve les rats ici. Et sinon. T'en as beaucoup des missions dans ce genre-là? Ouais, on peut dire ça. Sauf que je suis pas toujours aussi bien accompagné. Ok, ok. C'est un compliment.
Prends-le comme tu veux. Ok, Lien. Petite serviette, couteau, fourchette, cuillère. Ça me semble être ici, madame. Vous allez devoir prendre place ici. Assieds-toi. Ok. Bouteille de vin. Petit pain. Moi, j'ai la totale. Trois couteaux. Cuillère, fourchette. Ça me semble être ici. Yes! Léon! Got it. Je crois qu'on a trouvé. Y a-t-il le cuistot qui va arriver puis qui va me défoncer la gueule? Oh! Oh! On est sur un 5 de 6. J'ai trouvé le médaillon bleu. Il est là? Parce que. Juste que j'ai pas accès. J'en ai 2 sur 3. C'est un rat ça? Il est où? Quand j'entends du squitch. Où c'est qu'il est Ratatouille? Il y a une porte là. Ben voyons toi, je l'avais même pas vu. Hé hey, Léon, tu veux pas une armure? En guise de gilet pare-balles. C'est un peu trop vintage, je trouve. Ouais. Dommage. Je suis sûre que ça t'irait bien. C'est quoi, Ashley? C'est bizarre. Oh, nice. Enfin une. Des armures. Ashley, reste là-haut. D'accord, J'en ai 2. Prudent. Ouais, je vais essayer. C'est quoi cette connerie? Ah.
Oh wow, Jeff. Oh my god! T'es utile comparé à l'ancienne. Nice. Merci. One. T'es sûr que t'as rien jeté, pas brûlé, j'espère. Non, merci du coup de main. Ça m'a bien aidé. Spinel. Le levier est là. Attends. Nice. Oh. Oh. Ah, où j'ai regardé? Voilà. Oh, une grenade flash. Un rat dans la salle armure, dans la salle à manger. Ce serait quoi dans la salle que j'ai faite tantôt? En haut? La galerie? J'aurais pas trouvé un rat? Non, la bibliothèque, j'ai pas été non plus. Par le marchand, justement. Ici, y'a pas de quoi. Alors, comme ça, t'as terminé une roquette, hein? Bien ouais. Joué, l'ami. Tu sais? Carré, triangle, triangle. Yop là! There we go! Lampe papillon. Nice. Tu t'es occupé d'une roquette, n'est-ce pas? Ouais, mon chum. Ah, j'ai les trois têtes quand même déjà. Trois rondes. À 6000. Elle vaut 6000? Si je fais ça, ouais, je suis pas sûr. Je vais attendre mes jaunes, comme je dis, à partir des 4 peut-être, là, mais ouf, que c'est laid. Ouh, ah oui, je peux, hein. Ça aussi, je pourrais, par contre. Il m'en reste juste 4. J'ai 17 poudres noires. Je peux presque me faire les deux. Sniper.
Ça se voit sur ton visage. Une rouge, une verte. Ouh, 28! Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Wouah, je vais pouvoir acheter presque mon ticket pour booster mon butterfly! Ah, mon dos me fait souffrir. C'est le poids des années qui se fait sentir, je suppose. À quoi tu tiens le plus? À ton argent ou à la vie? Le choix est vite fait, l'ami. Restance à mon couteau. Je te souhaite bonne chance. Pas grand trésor à vendre à date, hein? L'argent monte moins vite. Tes armes sont entre de bonnes mains. Tu peux me faire confiance. Je peux améliorer ce. Malheureusement, on a atteint la limite pour cette arme. Elle est assez puissante pour le commun des mortels. Je peux faire jusqu'à 5 cibles. Rentabiliser les balles. J'ai plein de choses intéressantes à vendre, étranger. Si tu veux avoir une chance de survivre, je te conseille d'améliorer tes armes. Et à certaines choses que l'argent n'achète pas. Grand A, les bibliothèques. Est-ce que ça revient quand tu veux, surtout? Nice. Salle des audiences. Salle des audiences. Ok. Je pourrais y aller. On va aller faire un petit tour de train, acheter. On va J'espère aller voir ça. J'espère que t'as pas le mal des transports, au moins. Il est beau. Tu vas vite le savoir. On est arrivé. On fait une boucle puis on retourne au début du château. Ah oui, oui, yes. Leve-le. Boom. 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 Il manque juste une bleue pour avoir le maximum. Il me faut une freaking pierre bleue pour avoir le x2. Il est déjà à 73 000. Oh, mamma mia! Il me faut une bleue! Il faut une bleue! Damn! Jolie la couronne. Il me faut une bleue, il me faut une bleue, il me faut une bleue. C'est ici. Rah! Ok, il faut que je revienne dans cette salle-là. Uh-huh.
La grande salle ici, le tiroir verrouillé, la boîte à serrure. On va aller chercher ça. Ah, ça nous ramène ici. Ah, ça nous ramène ici. Vous allez faire un beau petit saut. Let's go! Pas t'en niaiser, man. Wouhou! Un béret rouge! Bon ben, la bonne nouvelle, c'est qu'il me reste une flash. Mais j'ai pris mes grenades. Tiroir, tiroir. Barre d'or. Wow. Wow. Statue de Justicia. Incroyable. Non mais stylé. Destiné à être vendu à 12 000. Damn! Waouh, elle est belle. Ashley, il y avait du monde, hein? Là, si je retourne sur mes pas, il y avait une place où il fallait que je monte avec Ashley, je pense. Genre, où est-ce qu'on a été séparés? Là. Boom. C'est avant la cour. Je suis pour un méchant bout. Wow, vous êtes revenu. Faut te manquer mon tir. Oh! Oh! Damn, t'as failli m'avoir, toi. J'arrête ta flèche? Oh oui. Merde. Oh! Dégage. Nice. Bon. J'ai équipé avec quel couteau? Celui-là? J'en ai à passer, Lien. Ouais. Toute seule là à la place. As-tu laissé de quoi là-bas? L'argent? Yeah. Thank you. Oh, il y a des balles au bord. Nice, nice. C'est rien. Perfect.
grenade lourde. Fixe Ashley. Ici. Non, c'était pas ici. Bon, là, on l'a fait ensemble. Sorry. C'est la cour. Ça, c'est mon ami le marchand. Bien. Ok. Reste proche. Nice. 11, 0. Ah, faudrait encore que je me fasse ça. Trop pratique. Sniper. Hein. Wouah, des bonus. Yay. Fois 3. Cool. On a fait 10. Yay. On accepte. Ben par là, là. Oui. Oh. Destroy mon chum. Ok. Bien. Ashley. Ok. C'est ouvert. Je t'en dois une. Merci. La poudre noire. Waouh. Idole corrompue. Chronique de la famille Salazar. Qui m'écrit? La lignée des Salazar touche à sa fin. Pour guérir Ramon de sa maladie, sa mère Catalina a fait entrer le diable dans leur maison. Voici un bref historique des membres de cette prestigieuse lignée. Première génération contre Gregorio le Conquérant. Gregorio mena ses hommes pour éradiquer le mal qui s'était abattu sur le château, reconnu par sa bravoure et reçu le titre de comte et se vit confier la mission de garder les démons à l'écart pour les générations à venir. Oups, allez. Deuxième génération, comte Hippolyto le Selleur. Au prix d'immenses efforts, Hippolyto parvint à sceller le fléau des démons échappés des profondeurs de la terre. Il se combat aux blessures qu'il a reçues au combat. Troisième génération, le comte Gregorio, l'architecte. Poussé par une paranoïa irrationnelle, Gregorio dilapida une bonne partie de sa fortune dans les défenses du château et dans des mécanismes aussi nombreux que farfelus. Quatrième, le comte José Alonso, le paisible Alfonso, s'efforça de restaurer la fortune et l'honneur de la famille. Cinquième génération, comte Alejandro, l'extravagant. De nature enjouée, Alejandro fit construire une cour et une salle de bal. Il mourut prématurément. Sixième, comtesse Maria Isabelle, la dame, veuve d'Alejandro. La comtesse Isabelle régna des longues années avant de mourir à l'âge de 90 ans. Septième, le comte Diego, le sévère. À l'instar de son prédécesseur, Diego était très strict. Il fut assassiné par un diable. Huitième génération, contre Ramon. Sa maladie aurait dû l'emporter. Nice, la poudre. Je peux vraiment me faire... Non. J'en ai 11. Ah! Il m'en manque une. Je me demande combien ça vaut. Ça vaut beaucoup de sous. Moi, je peux t'aider. J'ai pas d'autres clés pour le tiroir qui est là par contre, ça c'est un peu plate. Je sais pas trop où est-ce que je pourrais trouver une autre... Je suis obligé de faire tout le tour si je vais aller ouvrir le tiroir. C'est quand même quelque chose. Non, j'ai vraiment pas d'autres clés. Zut. De toute façon, faut que je repasse par la cour. Pour retourner au grand hall. Ah, ben c'est pas si pire. Je peux passer par la cour, c'est...
fasse pas chasser. Tu vas voir ce que t'as trouvé. N'oublie pas qu'arme à feu rime avec jeu, étranger. Bienvenue. Alors, qu'est-ce que t'achètes? Écoute, port d'or, idole... Trésor ou babiole, ça n'a pas d'importance. Le prix, par contre, c'est nous qui le décidons. Faut juste une bleue. Faut juste une bleue. Vador, idole, statue. Merci. Avec un spinel aussi, et mon ticket. Oh, ça t'en auras pour ton argent. Je te le garantis. Je te souhaite bonne chance. C'est 70 000 pour avoir mon bonus sur celui-là. On revient quand tu veux, surtout. C'est le seul poignet, je pense, ben. Oh, on va sortir des chiens. Ah, bon, encore, encore. Là, il y a des têtes, mais là, il manque un rat. Elle est où la bibliothèque? Moi, comme j'ai dit, c'était dans la galerie, mais ça m'étonnerait. Moi, je manque ça, mon ticket. Là, ça c'est clair. Ils entendraient faire squish squish, hein. Ça doit être vraiment dans la pièce après la tête, I guess. Toujours trouver une bibliothèque, me semble. Allez donc. Le bouc qui en revient pas que la porte s'est ouverte. Ouh. Léo, derrière toi! Recule! Oh no way! Oh non! Attends! Allez! Attends! Même pas vrai, tu peux pas esquiver dans le jeu. Non, DH, je reste pas collé. Je fuirai pas. Attends-moi, Léo. Oh non. Oh non. Oh, je vais acheter. Non! Ah! Laissez le bout. Il faut que je m'éclaire. Faut que je m'éclaire, ben oui. Give me that.
deux éclairés en avant. Ok. C'est stylé quand même. Hop. Ouais, c'est temps de trouver du loot pour Lien. Fait noir ici, hein? Ouais, j'ai pas peur. Moi, GG. Me fais pas peur comme ça. Hey! Veux-tu le tuer? Tu tapes? Non? Merde, je peux pas me taper. J'ai rien pour me battre. Une horloge? Bouger, confirmer, annuler. C'est cassé. Il y a du feu bleu ici, hein. Oh, elle peut rien péter, elle. Les ancêtres qui reposent ici répondent à une heure choisie. Si tu cherches la protection divine, fais preuve de courage et ne crains pas les ténèbres. Chemin vers le mausolée caché. Répondent à une heure. Ok. Ils répondent à une heure précise. Ça doit dire que je mets ma langue.
escalier caché? Il doit y avoir une salle secrète en haut. De clé. Des clés. OK. Ah. Oh ben, on va clairement revenir dans cette section les clés. Là là. Quatre clés accrochées à un anneau métallique. Un serpent, un poisson, un aigle. Ou un symbole étrange. Ça a l'air d'être le symbole. Non? What? Un poisson? Un poisson. Flacon de parfum chic. C'est lui qui était là. Ouais.
rien, non? Oh my god. Ça va? Attends, je vais trouver une solution. Note du bibliothécaire. L'emblème. La clé pour sortir de cet endroit maudit n'est autre que l'emblème des Salazar. Pour le trouver, je dois m'aventurer là où se trouvent ces satanées armures, le mausolée souterrain. Ô Seigneur miséricordieux, fais régner ta justice sur les villes usurpateurs, ce monstre hystérique qu'est Ramon Salazar. Et que ta lumière bleue, bénie, protège ton fidèle serviteur. Un autre cube. Ça doit être ça. On le sait pas. On va faire un petit coup de sauvegarde. À la haute, 11h04. Horloge. Peut-être que. Ben, au moins, il m'a donné la réponse, lui. Ça veut-tu dire que tu faut que j'y aille ou... Je vois-tu ou... Merde, je sais pas. Ah oh, merde. Ah oh, Piaoué donc. Pourquoi elle le dit? Ah ben je peux pas. C'est vrai? Lumière bleue mais bénie. Ça fait pas grand chose ma flamme bleue, je trouve. Elle a l'air de s'emballasser de ma flamme bleue. Dommasse.
oui. Pas doucement, ça. Tire-toi. Hop, hop, hop. Ne retourne pas. Ne retourne pas. Je pas, je t'étais bonne. Attends, mais la seule flamme bleue que j'ai vue est là par contre. Wait a second. Est-ce que... Non. Oh, ça aurait été incroyable. Dommage. Faut que je tourne en rond, faut que je... Oh, je suis correct! Oh. Oh my god. Bonjour! Allez-vous bien, monsieur? Oh, bye bye. Qu'est-ce que je viens juste de dire? Bon ben, les quatre. Il y en a quatre. Ok. It will. Non, wait, what? Ok, je peux échanger. Ouais, désolé, c'est niaiseux. Hop! 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 Elle faisait une lune. Problème des Salazar. Non, 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 la lumière. Encore. Oh, j'en peux plus. Non, l'emblème, pas qu'on dégage. Mais il est en or, lui. Hey.
faut que je fasse? Ah. Ok. Soyez sympa. Ne bougez pas. Allez. Passez! Tout va bien? Ouais. Attends, je vais te sortir de là. Hé! Attrape! Tu crois que tu peux descendre? Je te rattrape. Ouais, mais enlève la cage. Ok, c'est une clé dans la cage. Ok. Oh my god. Merde. Il s'en balance. Ah. Let's go! Désolé, pas encore. Krauser. Mais mon charmant petit assistant cause une belle pagaille. Tout se passera comme prévu. Encore faut-il que tu gardes ton chien sous contrôle. Il est utile et prévisible. Bien, tu peux le garder. Mais ne viens pas pleurer si tu te fais mordre. Ada ? J'imagine que non. Alors j'ai une info pour toi. Quelque chose d'important se prépare dans la salle du trône. Dur le babysitting, hein ? Hé, hey, Ada ? Ada ? Génial. Chapitre 10. Elle change pas. Damn. Ok. Allez dans la salle du trône. I guess elle a pas donné les trésors là. Elle a pas mon rubis saphir. Donc
Donc, on va aller par là. Là, faut vraiment que j'aille à la salle de bain. Ok. I'm back. Ouh, ça commence. Oh! Le loot! Les trois coffres, elle m'a donné le loot! Elle l'a pitché avant de... T'as Alien! Pogne le rubis saphir! Fait que je peux faire mon... Non. Couronne. Boum! 100 000! Ouais! 100 000 dollars! Damn! Wouah, c'est fabuleux! On veut une couronne de même, oui? Bon, bon, bon. La petite place où Ashley est allée, là. C'est à mon tour d'aller explorer ce bout-là. Oui, oui, oui. J'ai cherché une arme courageuse capable de nous débarrasser de ces chevaliers monstrueux. Mais attention, il est beaucoup plus fort que les autres. Il a vaincu les meilleurs d'entre nous d'un seul coup d'épée. Éliminer la menace, museler Spinel 8. Le chevalier en or! C'est ça qui brillait? J'avoue qu'il fait peur. Bah, t'as une minute là. Ok. Mais là, je vais pas avoir de feu bleu, hein. Ça va être moi contre ces sales chevaliers. Salut? Ça va? Qu'est-ce que... Hein? Ah oui. Eh ouais. C'est comme ma lame de poche, elle éclaire plus que... I guess je peux commencer en bas. Oh, il est là! Chevalier sans pitié! J'ai pas de grenade, j'ai rien. Ah, je saute. Ok. Bon, let's try this. Imagine ça va être un 1v1. Je crois qu'il faut pas tout avoir ce qu'il y avait tantôt parce que... Wouah! Wouah! C'est que ça! Deux autres. Merde. Ça va grenade en maudit. Okay. Oh! Boom! Whoa, 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 whoa!
Hey! Merde, faut bouger! C'est dans le dos? Hey! Non mais là, va chier! Chanerie. Nice! Ok! Not bad, not bad. Va te coucher, chevalier. Diamant rond. Voilà en bas. Ah, une chance que j'ai pris le trésor là, ça veut dire. Damn! Hein? Il aurait manqué un trésor! Si? Un bleu velours en plus. Ben voyons. Ils sont généreux dans les mausolées. On dégage. Mission accomplished. The Golden Knight is dead. Nice, nice, nice! What was that? Bon, next room? Là aussi, elle avait pas payé. Ils sont 5 quand tu réussis à y tirer une balle dans le cou, c'est fini.
Boom! Let's go. Un spinel! No way! Des spinels! Il va être tellement être énorme. Oh! What the freak? Une fusion entièrement automatique, la longueur optimale du canon permet d'équilibrer la puissance et le poids pour les tirs précis. Mais voyons donc, toi. Ça veut dire que je peux mettre la lunette? Ah! What? Mais c'est incroyable! Sont d'où toi? Mais il mire à la lunette. What? Ouais, attends, toi. Bon, ben, il va falloir que j'y mette une mire, hein. Fusil d'assaut, monsieur, hein? La longueur optimale du canon permet d'équilibrer la puissance. Puissance 2, capacité 20, recharge, cadence de tir, précision. Dégâts x3 contre les points faibles. Pouvoir perforant, compatible avec diverses lunettes. Mais remplace pas ça. 4.10, 14, cadence de tir 0.81, mais non l'autre à 2.5. Mais pourtant il y a les mêmes. Prends quelle balle? Ça le dit pas? Je sais pas c'est quoi ça prend. C'est les balles bleues? Sûrement pas. Prends un butin 2.2.23 comme lui. Ah ben on va le savoir. Quand je regarde mon inventaire. 4. Comme le snipe. C'est comme le snipe. Il prend les balles de sniper. What? Ah d'après moi mon sniper va prendre le bord, hein. On va faire la comparaison tantôt là, mais
doit pouvoir tirer balle par balle, mais vous tirez plus rapidement, ça doit faire mal, un carnage. Incroyable. Je viens de me faire un sale fusil. Nice. Yellow gems. Sauvegarde est de mise avec tout ce que je viens de faire. Hein? Ouais. Menu. Wow, bon. Le lynx est doré. Deux dans les yeux, puis un au cou. C'est ça, j'ai pas trouvé le rat, hein. Ah, il était où ce qu'il y avait Ashley? C'est vrai? Je voulais le tuer avec ma lanterne. Monsieur le marchand, on a des trucs à faire là, toi puis moi. On a des trucs à faire, toi et moi. Il vaut 15 000 de base, le chat. Un triple, c'est trois couleurs. Pareil. Trois pareil. Check ça! Cinq gemmes de couleurs différentes. Wow. 100 000. Ah, il va y mettre des petits yeux genre non mais nous. Avec un petit nez bleu. Non c'est vrai c'est tout pareil, je peux pas. Ça va être des différentes, hein. Il manque à 45 500 petit minou quand même. Il est puissant quand j'y mets ça. Sinon je pourrais y mettre tout pareil. 42 000. Bah non. Je pense qu'on va y mettre ça de même. 45 600. Ça revient tellement pareil, c'est fou. 45 500. C'est vraiment identique. Ça même je ferais des combos juste utiliser les aimes que j'ai le plus pis c'est tout. J'ai une manu verte. 40 000. 45 600. Ouais. On va être ça je pense. Le chèque avec deux yeux jaunes puis un petit collier rouge. Avec un autre 45 000. Puis ça, ben.
va le faire monter à 37 000 si j'y mets 3 jaunes. Il m'en reste une, I guess, je vais le faire. Ouais. Voilà là, l'argent qui s'en vient là! Aïe aïe aïe! Tu t'es occupé d'une requête, n'est-ce pas? Ouais. Un travail bien fait mérite une récompense à la hauteur. Boum les rats, fois 3. Boum le chevalier sans pitié, fois 8. J'ai mis la main sur quelques raretés. Ah ouais. Oh! Un striker! Voilà, c'est tout ce que j'ai. Un striker! De grenades lourdes. Ah ouais. Hmm. Fait que là, le fusil d'assaut, c'est les balles de sniper. Une arme modifiée permet de compenser un manque de compétences, l'ami. Là, mon fusil d'assaut, il y a plus de capacité, de rechargement, de cadence, un peu moins de précis, un peu moins de puissance. Specs actuels. Les stats max 3,40 qui montent, 32, 1,25, 2,50. Bien meilleur le fusil d'assaut. Des sales coups d'en face pareil. Ouais, tu peux y mettre le scope. Ouais, le fusil d'assaut, tu y mets le scope. C'est pour ça que ça me sert à rien de garder les deux. Puis les deux, ils ont dégâts x3 contre les points faibles. Pouvoir perforant puis compatible avec diverses lunettes. Ils ont toutes, c'est pour ça que je pense que Stingray va partir là, il va me. Comment faire pour le Striker. Comparé avec le shotgun que j'ai. Oh, ça t'en auras pour ton argent. Un fusil semi-automatique à la dispersion élevée qui montre son efficacité à courte distance. Mais à dispersion, il fait 9 de dégâts, capacité 12. Rechargement, il est lent. Cadence de tir va plus vite, précision, ben c'est normal. Mais c'est clairement. Il monte à 16,2! Fouah! Ah ben, c'est le temps de faire des petits changements là. Un petit parfum, un bleu velours, une lampe papillon, une couronne à 100 000 piastres, un lynx à 45 000. Un fusil anti-émeute à 128 000. Un Stingray à 139 000. Et ça part. Merci. Affaire bien conclue. Ça doit être ma couronne, ça. Mon ticket en plus! Ah, oh, mon dos me fait souffrir. C'est le poids des années qui se. Alors, de quelle arme vas-tu repousser les limites? Appelle-nous quand tu voudras en améliorer une. Ok, c'est bon, je suis content de le faire. Donc il me faut le Striker. À quoi enchaîne les tirs avec ça et tu assisteras à un festival de feux d'artifice. La petite ferraille. Ok. En quoi puis-je t'être une fête? Là, je devrais pouvoir y mettre sa lunette, élément, fusil d'assaut. Incroyable! Ha ha! Damn! Incroyable! Usage unique qui donne une amélioration spéciale d'une arme, quel qu'en soit le niveau. Bienvenue! Modifié. Bon, qu'est-ce que j'ai? J'ai le ticket. T'as un ticket? C'est un couteau, non? Bien. Je te souhaite bonne chance. Choisis une arme. Ça, là, je peux l'acheter avec mon cash. Fait que c'est pas ça que je veux faire. Moi, je fais choisir entre des tickets ou. Je peux pas acheter. Une arme modifiée permet de compenser un manque de compétences, l'ami. Multiplie la puissance par 1,5. Ah ouais!
Donc je voulais le mettre à seul mon ticket. 1.5 sur le Magnum, fait qu'imagines-tu? Je monte que sa puissance, mais je mets la milieu spécial, ça. Le reste, je le paye. Le Punisher, je peux l'acheter. Ah yes, elle le demande. 70 000 PDAS. Eh bien, nous avons fait ce que nous pouvions pour cette arme. True! Perforation 5! Respect qu'elle mérite. 5 D'accord. ennemis. Mon petit Striker. Mon petit Striker. Un couteau a besoin qu'on s'en occupe. La vie de... On commence à bien cerner tes goûts étrangers. Tiens, vois ce que ça donne, l'ami. Quelqu'un comme toi devrait tout de suite remarquer la différence. Et voilà, comme tu l'as demandé. Capacité, lui, est déjà assez fort, là. Accélère le rechargement. Et c'est ça pour voir. C'est un travail qui demande de la finesse, étranger. De petits ajustements peuvent faire toute la différence, tu verras. 5 cartouches. Augmente la cadence de tir. On commence à bien cerner tes goûts, étranger. La puissance. 55 000. Tes armes sont entre de bonnes mains. Tu peux... Et voilà, comme tu l'as demandé. Tiens, vois ce que ça donne, l'ami. Quelqu'un comme toi devrait tout de suite remarquer la différence. Lui, ticket. Oh, oh, t'as fait un très bon choix. Ouais, hein? Oui, si, je trouve ça. Fois 1.5 sur une puissance à 21 par balle. Je pense que c'est un bon ticket. Il est tellement cher à monter, lui, comparé aux autres, de le bloquer le ticket direct. Une arme pour répondre à tes besoins. Oh, y a-t-il quelque chose de plus beau? Et fait que là, on a de sales fusils. Et 203 000, 205 000, 212 000. Les richesses que tu amasses te serviront à rien dans la tombe. Oups. Là, s'il m'en reste, je pourrais me prendre... C'est soit de la poudre noire. Et à certaines choses que l'argent n'achète pas. Ça, je pourrais acheter. Moi, j'avoue. Pour les revendre. Ça, c'est les lunettes qui peuvent être montées sur des fusils et certaines armes. Hein. x2, ça va. x3, j'ai pas besoin. Ça, c'est cool. Oh, je savais que tu choisirais ça. On va se faire du cash. Très bon choix. Je sais, je dis souvent ça. Mais je le pense vraiment. J'ai plein de choses intéressantes. Reviens. Ah là, j'ai plus grand gemme là. Ça fait 24 000. C'est pas énormément d'argent, mais. Vu qu'ils valent pas énorme. Ça, c'est parfait de même. 30 800, c'est super. Puis lui, à l'inverse, serait plus des rouges. Comme ça, peut-être. Ou une de chaque. On pourrait le faire aussi. On va y aller de même. À quand tu veux, surtout. Bienvenue. Hein? Étranger. Oh. Je suis prêt à payer une coquette somme pour ça. Tes armes sont entre de bonnes mains. Tu peux me faire confiance. Ça t'épate, hein? Notre savoir-faire ne laisse personne indifférent. 583 piastres, Pospé. Va t'abuser mon cash. En fait, va pas te faire... J'ai de la poudre noire, mais j'ai pas de grande ferraille. 13 balles de pompe, il me faudrait ça. J'ai combien? 17 poudres? On va m'en retrouver. On va faire du shotgun. Fuck. Et voilà. Peut-être même les balles, ça pourrait être pas pire. Ben je les garde pour ça, hein. Je vais les garder pour ça. Oui, hein? Sûrement m'en trouver dans le palau. Oui. Raccourci en bas. Là.
avec l'autre. Fait qu'il tire rapide, mais je peux aussi viser tac tac tac. Une 43, je vais peut-être mettre le temps de me rendre à la prochaine sauvegarde. Faire 2 heures de vidéo. C'est qui a écrit là? C'est juste. Ok. T'es en retard, le gars? Champignons. Hey! Ow! Tu fais one tap, mon chum? The fuck? Oh, melee! On s'en va. Je comprends là. Je comprends mieux là. C'est vraiment plate pour la clé qui est là. C'est loin là. Ça commence à être très très loin. $100. Hey, jetons. Hop, hop, hop. Oh. L'horloge! Chronique de recherche 1. Juillet. 2 ans après mon éveil, Maître Ramon m'a confié une noble mission, celle de corriger les défauts de notre forme humaine afin d'atteindre la perfection observée chez nos frères et sœurs anthropodes. Je suis prêt à consacrer ma vie à cette cause. Janvier, 4 ans après mon éveil, mes efforts pour transfuser les liquides noirs dans le corps sont sur le point de payer. L'utérus est la clé. Une âme pure se révèle être un sujet hautement malléable et capable de s'adapter. Janvier, 6 ans après mon éveil, j'ai baptisé ces larves sacrées extraites du ventre de quelques élus. U2. En référence à mon prestigieux nom de famille, les U2 sont maintenant presque aussi grands qu'une personne adulte et ils continuent à se nourrir et à se reproduire. J'ai réussi à créer une nouvelle espèce. Maître Ramon a reconnu mes efforts et m'a couvert de louanges. Il s'est pris d'affection pour les U2, les appelant Novistador ou les Invisibles. On m'a dit que sa sainteté, Lord Sadler, en personne, était également satisfait de mon travail. C'est un immense honneur, je peux à peine voir la pointe de ma plume à travers mes larmes de joie. Son humble serviteur Isidro Uriarte Talavera. Ok.
Bon, là, c'est solide comme chandelier. Sérieux, Ramon, je voudrais faire venir à des insectisaires. Rubis saphir. Foutez-moi la paix. C'est con. My God. Mon TPL. Par le coup de pied. Bon. Oh my God. Quelque part.
J'entends. Pas esquiver comme dans les anciens! Ma gosse! Je veux esquiver! Fais une roulade de quoi? T'es pas inapte, imbécile! De gogol. Oui, tu. Oups. Je peux pas aller là. Monsieur Kennedy, quel
qu'elle nous a donné beaucoup de fil à retordre. Il faut que j'abaisse ce pont-levis. Trop compliqué. Ferraille grande. Sniper. Here we go. De putain de fuck de pourquoi il est insensible dans le coin. Pourquoi tabarnang, quoi? Oh ouais, fait chier putain. J'ai lancé 4 grenades aussi, il restait debout comme si de rien n'était. Rose en merde d'une marde, fait chier. Cette fois il y en a. Wow, wow, wow! Jeu de cave!
Ciboire! Non mais gros! T'es des débiles! J'ai fait du son là-bas! Mange-moi donc le cul, man! Okay. Oh. On arrive-tu à l'infini en plus, c'est quoi? Ça ne fait rien! Oh Big! Sérieux, sont intuables en plus, c'est stupide! What the fuck? Mais... c'est cave! Ils sont pris 54 coups de grenade pis de balles! L'autre, il tape lui-même l'autre dans le dos, je sais plus quoi faire là! The fuck! Faut vous calmer le cul à un moment donné aussi! C'est cave! C'est pas le fun! Je veux pas qu'il y en ait deux, mais au moins mourir! C'est intelligent! Merci.
Ah! Oh man. Le son, il était en haut, il était pas en bas! Sacrement! Tellement merdant! Peux-tu finir ce bout-là, s'il vous plaît? Allez, pas toi. Ah wow. Bordel de merde. Vous êtes deux gros malades. Deux heures douze, c'est long, hein? Y'a pas de sauvegarde nulle part. Attention! Allez-y, poursuivez. Non. Ne résistez pas, très cher. Cela ne ferait que rendre votre souffrance insoutenable. Pitié! Pitié! Espèce de... Despedimos, señor Kennedy. ¡Ah!
Au. Tiens bon, Ashley. Je vais venir te chercher. Les pipiques. Au fond du trou, hein? C'est sympathique. Et oui. Lui, il s'est planté. Lui, il s'est planté. Non, il n'y avait pas de sauvegarde proche. What the freak? C'est quoi ça? Oh non. Oh, il est invisible. Ah. Faut juste le petit yeux qui brille. Wow. Aim. Ok. On voit pas les tissus qui brillent.
constamment à travers. What? En face. Note d'un prisonnier. Encore un mort. Combien de jours ont passé depuis que l'on m'a jeté ici? Les maigres restes de nourriture que nous avait donné au début sont de l'histoire ancienne. Nous n'avons plus rien. La faim et la soif sont si insoutenables que la plupart d'entre nous ont se rendu à boire cette eau noire. La première à s'être transformée est Herminio. Lui qui était pourtant affaibli au point de ne plus pouvoir marcher est soudainement devenu fou. Le temps que sa fureur prenne fin, deux personnes sont mortes. Je pense que nous ne devrions pas toucher à cette eau noire. Ce cher Abelardo est mort à son tour. Il sera battu jusqu'au bout. La seule chose que je peux faire désormais, c'est honorer les corps de tout le monde et prier pour que leurs âmes trouvent la paix. Ô Seigneur, pourquoi nous infliges-tu une telle épreuve? Une autre couronne? What? What? Ramasser un poisson. Yam. Yeah, t'as bon. Shotgun. Toujours pratique, shotgun. Ça a fait plouche. J'en ai marre. Oh non. Je reconnais ces égouts. Oh mamma mia. Chauve-souris! Pas le son de même. Une sauvegarde! Jette un œil, quelque chose va forcément te plaire. T'as rien d'autre à part de l'argent? Bienvenue! Alors, qu'est-ce que t'achètes? La ferraille. Ma marchandise est en parfait état. Je te le promets. Essaie d'y faire attention, d'accord? Le scarabée est destiné à être vendu. Le velours. Merci. J'y reviens quand? J'ai presque tout. Rouge, un bleu, un vert, il manquerait un jaune puis un mauve. J'ai 9 bleus, tabarouette. Tu veux surtout. Spinel.
Bienvenue. Pas grand chose à échanger. Hein? 24 000 non plus, c'est pas grand chose pour acheter. Bon ben. Comme tu voudras. Here we go, on l'a. La sauvegarde pour mettre fin à cette vidéo incroyable.